Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion Contact Pro Live. Nous sommes de retour donc pour un nouveau numéro où nous allons encore parler, nous allons encore réfléchir sur notre chère République démocratique du Congo. Je suis très content encore aujourd'hui parce que la réponse ou bien le feedback que je reçois de vous me merveille souvent et me donne envie toujours de continuer. J'ai eu vraiment de la joie lorsque j'ai vu mon email exploser de tout ce que nous réfléchissons, toutes ces réactions, les gens commentent, et cela me rassure que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Vous êtes nombreux à me suivre. Et vous qui êtes là pour la première fois, en tout cas, je vous demanderai de vous abonner encore une fois de plus si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous et vous, si vous êtes déjà abonné, continuez à partager cette émission et nos vidéos parce que nos vidéos, nous sommes en train justement de réfléchir sur les solutions à appliquer en République démocratique du Congo pour que nous puissions sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. La semaine passée, après la coupe, les compétitions africaines où le Léopard sont sortis quatrième, nous étions très émerveillés. Nous nous sommes dit là où on s'attendait le moins, peut-être qu'il fallait que nous puissions gagner l'Afrique du Sud. Malheureusement, donc ça sera pour la prochaine fois. Donc courage à nos Léopards, félicitations, parce que j'en parle pourquoi ? Parce que c'est un élément qui nous unit. C'est ça qui nous unit, nous les Congolais, où nous avons un peu la joie, où il y a une équipe que tout le monde supporte du nord au sud, de l'est à l'ouest, où tout le monde s'engage pour essayer un peu de pousser les Léopards à la victoire. C'est cela que nous sommes en train de nous dire, si nous étions tous avec ce même esprit-là pour notre pays, où nous pouvons nous dire... Laissons de côté tout ce que nous avons, laissons de côté nos partis politiques, réfléchissons pour que nous puissions avoir un pays qui marche. Et c'est pour cela que nous allons avoir des développements. Nous n'aurons jamais de développement dans la division et dans tout ce que nous sommes là-dedans. Nous devons nous requinquer dans une structure où nous allons réfléchir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions à appliquer à notre pays et quelles sont ces solutions-là. Laissons d'abord les côtés tout ce que nous pouvons avoir division, parti politique, tout ceci. Cela n'avance pas. Il faudrait que nous puissions être ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Notre sujet va toujours tourner autour de la sortie de notre pays de ce marasme-là. Comment est-ce que nous allons y faire? Nous avons la guerre à l'Est. Nous avons les institutions que nous voulons faire avancer. Nous voyons comment nous-mêmes nous sommes en train de traîner le pas. J'ai dit, on donne à un formateur ou à un informateur un mois pour donner une position au président de la République afin qu'on dégage la majorité. Et donc, un mois renouvelable deux fois. Et après avoir trouvé cette majorité-là, il y aura maintenant ce que nous appelons les tractations pour la formation du gouvernement. On va nommer un premier ministre. Et ce premier ministre va encore prendre, je crois, encore un mois. Et donc, pendant que nous allons... Déjà, le Parlement, en principe, est en place. Ils sont déjà mis en place. Mais en principe, on devrait passer à quelque chose de plus urgent pour former le gouvernement. Donc nous allons tourner tout autour de ces questions-là, mais comme tout ce que nous faisons tous les jours dans Réflexion, nous prenons les grands titres pour ne pas vous laisser comme ça dans le noir pour l'actualité. Nous vous lisons le grand titre à la une de l'actualité de tous les journaux, enfin quelques journaux que nous sélectionnons sur internet et nous vous lisons le grand titre. Comme ça, vous allez voir que le titre que nous allons développer dans cette numéro va pratiquement aller dans le sens
de l'actualité. De l'actualité, ça veut dire que nous proposons des solutions à appliquer en République démocratique du Congo. Donc, suivons les grands titres à la une pour les 5 journaux que nous avons sélectionnés et puis nous revenons tout de suite après pour que nous puissions parler de cette solution que nous proposons à la République démocratique du Congo. Suivons. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Guerre dans l'Est, l'ONU condamne l'offensive du M23 et appelle au dialogue. M23, le combat s'approche de la cité de Sake. Et puis guerre au Nord Kivu, voici l'apport de l'Ouganda aux terroristes du M23. On va sur actualité.cd. Procès Salomon Kalonda. Après un renvoi, la cour militaire se prononce ce mardi sur la demande de mise en liberté provisoire. M23, les combats s'approchent d'une fois de plus de Sake. Nouveau déplacement de la population après une explosion ayant fait des morts et des blessés. Et puis, exposition photo sur la rue du fleuve à Kinshasa, le professeur Yoka salue l'initiative d'actualité.cd de documenter le vécu quotidien de la population. Congo profond, Kinshasa, la police annonce les mesures pour stopper les manifestations au centre-ville. La recette RDC, la recette du mouvement des acteurs de la révolution sociale Mars, face à l'hyperpolitisation de la vie nationale et impérialisme. Ça, c'est une déclaration. Et puis Kinshasa, le député provincial Muyaya promet de se prononcer sur son choix définitif au moment opportun. 7 sur 7. Agression rwandaise, l'AFDCA de Bahati dénonce un complot international contre le RDC. Et puis, quand les léopards attendus ce lundi, ça c'est une information hier, ils sont arrivés hier depuis lundi à Kinshasa. L'Afrique du Sud annonce le déploiement de 2900 militaires en RDC qui combattront au sein de la force de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. On va terminer par Radio Okapi. Kinshasa, la police interdit aux mototaxis d'accéder à la commune de la Gombe à partir de ce mardi. Ituri, les centaines de miliciens Zahir et Codeco s'engagent à mettre fin aux exactions contre les civils. Et puis on termine par Norbert Yambayamba. Je dénonce l'injustice de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà donc le grand titre de ce matin, le 13 février 2024. Donc nous sommes là pour développer un peu tout ce que nous parlons tous les jours ici. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous parlons ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et là, nous prenons l'actualité et c'est tout autour de cette actualité-là que nous disons, voilà ce qui ne va pas, pourquoi nous n'avançons pas, et nous donnons nos points de vue sur ce que nous avons, pourquoi ça n'avance pas. Et dès lors, dès que nous avions dégagé ça, nous proposons la solution, nous développons, on fait la solution. Ça, c'est une proposition que nous avons ici à Contact Pro Life. C'est-à-dire, nous avons une proposition que nous essayons un peu à mettre sur une plateforme qui peut inspirer effectivement les politiciens ou les gens qui sont au pouvoir, ceux qui sont par exemple en train de chercher comment est-ce que nous pouvons, parce que nous avons vu par exemple les partis politiques, beaucoup n'ont pas d'idéologie, beaucoup n'ont pas même ils n'ont même pas de lignes, ils n'ont même pas un cahier des charges, ils n'ont même pas une direction. On se bat pour les positionnements et tout ça. Vous avez vu les élections. Tout le monde a fait les élections. Mais lorsqu'on a proclamé les résultats de ces élections-là, ça ne reflète pas ce que le peuple veut. Ça ne reflète pas la volonté du peuple. On a nommé des gens. Il y a eu des tricheries. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Finalement, au finish, nous voyons que c'est comme un canular d'élections. Pourquoi ça? C'est ça que nous sommes en train de dire. Vous allez voir, dans l'actualité, qu'est-ce qui prédomine? Ce qui prédomine, c'est la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de réagir à des situations.
à des problèmes qui sont causés par quoi? Par justement les problèmes non résolus. Il y a beaucoup trop de règlements de comptes, il y a beaucoup trop de problèmes qui sont restés comme ça, sans solution. Et quels sont ces problèmes-là? Ces problèmes-là, c'est l'identité congolaise. L'identité congolaise, c'est ça qui nous bouillonne. Parce que quand je parle de l'identité congolaise, c'est-à-dire que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas les léopards qui dorment en nous. Nous ne savons pas la grandeur de notre pays. Nous ne savons pas nous maîtriser. Nous ne savons pas maîtriser ce pays ici pour le faire rayonner, comme, rayonner de sa grandeur. Ce n'est pas l'extérieur qui viendra réveiller ce léopard qui est en nous. Nous sommes un pays, un peuple vaillant. Nous sommes un grand pays. Nous regorgeons presque tout ce que l'humanité veut. Mais nous ne nous connaissons pas. C'est ainsi que vous allez voir, il y a des guerres à l'Est, il y a l'insécurité, il y a des détournements de fonds d'argent. On ne comprend pas finalement le pays va où. Mbokangwezo kende wapi. Depuis l'indépendance, on tourne tout autour du pot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un gouvernement d'union nationale. Oh non, est-ce qu'il faut? Il y a la guerre, il y a des rébellions, il y a de tout ça. Toutes ces histoires-là, c'est parce que nous pensons que les Congolais ne s'est pas encore retrouvé pour qu'ils puissent être conscients de sa grandeur au milieu de cette Afrique ici. Les Congolais ne connaissent pas encore sa valeur. Et c'est sa valeur qui est en train d'être piétinée. Enfin, nous-mêmes, nous piétinons nos valeurs. Alors, regardons un peu ce qui se passe comme actualité. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo laisse à désirer. Du côté du gouvernement, et tous ces djaloloïstes, ils nous disent que non, les FARDC sont en train de faire du bon travail et tout ça. De l'autre côté, vous allez voir que le gouvernement actuel est en train de pleurer. Il cherche de l'aide. Comment terminer cette histoire de l'Est? Comment est-ce que nous allons terminer cette histoire-là de l'insécurité à l'Est? On pense qu'en invitant les armées étrangères pour venir se battre pour nous, que nous aurons du secours. Non! Nous sommes toujours en train de nous créer des problèmes parce que ces gens-là viendront et ils demanderont leur dû. Qu'est-ce que nous manquons quand nous nous posons la question? Et là, on a dit que nous avons pour défendre ma belle Nabiso. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Ni ninjo hatuna. Pourquoi tu n'as jamais eu ma question qui la siku? Ni ninjo na tu kosa joue tu jenge, jeshi etu, ikwe jeshi akweli ya kudefendre inchi. Est-ce que Rwanda n'a qu'on a tout attaqué? Parce que nous voyons trop de mensonges dans cette histoire ici. Nous crions partout, oh non, les Rwandais sont en train de nous agresser, nous sommes agressés. Est-ce que c'est les Rwandais qui nous agressent? Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous agresser? Nous-mêmes, nous commençons à trouver les causes ailleurs, au lieu de chercher les causes en interne. On dit que non, les gens sont en train de nous agresser, tout ça, et on crie du matin jusqu'au soir, du lundi à samedi, du 1er janvier au 31 décembre, que les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent. Nous continuons à pleurer. Toute une mandature, Félix Tshisekedi est parti partout, et lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu pour qu'il trouve la solution à l'est de la République démocratique du Congo, ou bien même pour notre pays? Il est parti partout. Il a vu tous les grands de ce monde. Est-ce que la solution est venue? Non. On n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la solution ne se trouve pas à l'extérieur du pays. La solution se trouve en interne. La solution, nous l'avons. C'est comme quelqu'un qui disait que quelqu'un a vendu sa ferme. Après l'avoir vendu, il est parti loin de cette ville-là où il habitait. Il est parti dans la capitale, laissant sa ferme, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. 5 ans après, quand il est venu pour une visite, il trouve que la ville s'est développée, tout, il y a eu changement des choses, tout. Il pose la question, il dit non, ce type-là à qui tu as vendu ta ferme-là,
Il a découvert du pétrole, de l'or dans sa ferme. C'est comme ça qu'il a développé ce coin. Et le monsieur a commencé à pleurer. Vous voyez? Donc, nous sommes assis sur des richesses que nous ne savons pas exploiter. C'est ça notre malheur. Mais on se pose la question. Nous sommes où là? Nous sommes où là? N'avons-nous pas des intellectuels? Ne réfléchissons-nous pas pour que nous puissions être à mesure de nous prendre en charge de mesure à mesure de gérer notre pays? C'est par là que des questions on se pose. Qui sommes-nous? Nous n'avons-nous pas des intellectuels? N'avons-nous pas des capacités intellectuelles pour gérer ce pays? Ne sommes-nous pas des nationalistes? N'aimons-nous pas notre pays? Dans des causes, c'est tout ça que nous, ce qui nous pousse à nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne cherchons pas des solutions pour le pays, mais nous cherchons les solutions pour des particuliers, pour nous-mêmes. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous ils diront que non. Les gens qui nous dirigent ne sont pas là pour le pays, mais ils sont là pour soi-même. Donc l'article est là qui dit que chacun pour soi, Dieu pour tous, ça commence à s'appliquer énormément en République démocratique du Congo. Disons, ça s'applique depuis toujours en République démocratique du Congo. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si je suis président, c'est d'abord pour moi, pour ma famille et pour mes collaborateurs. Le pays, ça ne me regarde pas. C'est comme ça que vous avez entendu, et je le compte ici, le président de la République actuelle avait dit que non, je veux faire des millionnaires dans ce pays. Je veux faire des Congolais des millionnaires. Moi, je pensais qu'il pouvait dire que non, nous allons faire du Congo un Congo fort, un Congo qui a l'argent. Mais si les particuliers ont l'argent, ils n'investissent pas au Congo. On ne demandera pas aux milliardaires qu'on a formés de commencer à construire les routes. C'est ça le tendance ezali. Ce qu'on a millionnaire, ce qu'on a député, c'est celui qui fait le o ape sakabatu, o asali sakabatu. Azako wele là comme un député. Tout le monde s'acharne pour arracher un poste dans l'appareil de l'État pour se servir et servir les siens. Pas pour la communauté, pas pour le peuple congolais, pas pour le pays. Les gens ne travaillent pas pour le pays. Et donc, ça commence. Il faut se battre pour être ministre. Et il faut se battre pour être député. Parce qu'en étant député, vous allez avoir 33 000 $ par mois. Et là, vous allez vous sécuriser. Vous allez avoir un avenir meilleur pour tes enfants et pour les gens qui couriront tout autour de toi. C'est ça que nous vivons en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a des problèmes communautaires, lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, nous nous trouvons dans un embarras de choix. On se rend compte que non, nous n'avons pas d'armée. On se rend compte que nous n'avons pas organisé notre armée pour défendre le pays. Et tout ça, nous sommes endormis dans ce système-là qui a commencé depuis 1960. Moi, je ne condamne pas seulement Fatshi aujourd'hui, mais Fatshi est en train d'exécuter exactement ce qu'il connaît. Il connaît quoi? Il connaît que non, c'est Mokonzi, Papa Mbo Moko. Il connaît que c'est le chef qui a tout. On connaît, c'est ça. Or, qu'est-ce que nous voulons d'un pays? Un pays ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un homme qui va faire fonctionner tout un pays. Un pays, c'est un système. L'État, c'est un système qu'il faut mettre en place, qui va gérer tout le monde. Et cet État-là doit être sécurisé. Qui font fonctionner l'État? Ce sont les hommes, ce sont nous les Congolais. Nous devons nous donner, nous devons travailler pour l'État. Le président de la République doit travailler pour l'État. Ça, il ne travaille pas pour lui. Ce pays ne lui appartient pas. Mboka o eza mboka ya mutu moko te bande konangai. Ce pays n'appartient pas à quelqu'un tout simplement qui va être là, à qui nous allons commencer à dire que c'est lui, Yende Mokonzi, lui le visionnaire. Ça, c'est terminé cette époque-là. Et petit à petit, on est en train de nous remettre dans les trucs de Mobutu. Si Mobutu est parvenu à gérer ce pays pendant 32 ans et que nous avions eu la paix pendant ces 32 ans-là, ce n'est pas pour autant que nous nous sommes développés pendant ces 32 ans-là. Ce n'était qu'une paix platonique.
Mais il devrait être assis sur des soubassements. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous nous disons, il faut que nous réfléchissions sur le plan d'une refondation du Congo, d'un nouveau concept de notre pays. C'est par là où nous nous disons, après tout ce qui s'est passé, nous devons absolument repenser le Congo, refondre ce Congo ici en un état pratiquement démocratique, où les droits seront exécutés, où personne ne sera au-dessus de la loi, où tout le monde va se retrouver, comme dans d'autres pays. Et que le travail prime. Nous travaillons pourquoi? Nous travaillons pour un pays fort, pour que nous puissions renforcer la capacité de gestion de notre État. Nous devons mettre notre intelligence, nos intellectuels, nous devons mettre ensemble nos intelligences pour nous dire, voici comment nous pouvons résoudre ce pays ensemble. Ce pays n'appartient pas à un groupe de gens, à un tribu de personnes, non. Ce pays appartient à tout le monde. Et quel est le chemin que nous devons prendre? Quel est le chemin que nous devons prendre? C'est par là que nous devons commencer à nous poser la question. La question est de savoir comment allons-nous nous y prendre avec tout ce que nous avons en main aujourd'hui, avec ces situations ici qui dégringolent et ça profite, ça ne profite pas aux Congolais, mais ça profite à ceux qui commanditent les guerres, à ceux qui commanditent tout. C'est inutile, mes chers amis, aujourd'hui, d'aller faire des marches devant les ambassades. Moi, je ne trouve pas aucune solution là-bas. Ce n'est pas ça la solution. Même si aujourd'hui nous chassons les Français, nous chassons les Américains chez nous, nous resterons en entier avec notre problème à résoudre. Le problème c'est quoi? C'est la cohésion nationale, c'est la capacité pour nous de nous maîtriser, de gérer notre pays. C'est là le grand problème. Nous sommes en train de voir les problèmes à côté. Ce qui nous induit en erreur maintenant? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Bien sûr, ce sont nos dirigeants. Aujourd'hui, moi, je pense que n'ayant pas de solution, ils vous disent que non, ce sont les impérialistes, ce sont les gens ici, ce sont les Rwandais qui nous attaquent. C'est un faux fuyant. La question, elle est en interne. La question, c'est de savoir nous maîtriser. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que ce sont les Américains qui nous ont dit d'implémenter la corruption? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont dit d'organiser mal les élections? Vous allez voir que parmi nous, il y a des gens justement qui travaillent pour ces impérialistes-là. Il y a des gens qui travaillent pour ces impérialistes, ou bien ces Français, ou bien ces Américains, qui travaillent pour eux, pour leur ventre, en leur disant, nous allons assurer votre pouvoir. Parce que c'est le pouvoir que vous voulez. Nous comptons mola lingi pouvoir. Alingi, balouba, balingi, bazalaka, bakuba. Alors nous allons assurer votre pouvoir. Nous allons vous donner. C'est ainsi qu'ils vont commanditer les guerres et tout ça. Parce que pour que vous restiez au pouvoir. Et vous restez au pouvoir comment? Dans une situation de chaos. Et lorsque nous n'allons pas comprendre ça, que ce n'est pas à eux que nous devons aller demander le pouvoir, vous allez voir, le président de la République a appelé beaucoup de ses amis pour qu'ils viennent assister à son investiture. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été débloqué pour cette manifestation-là. Pendant qu'on tue les gens à Goma, pendant qu'on a besoin déjà nous avons des enfants affamés, nous avons des routes à construire, nous avons
des choses à faire. Nous avons besoin de cet argent-là, mais nous le lapidons comme ça. Tous les autres, voilà un peu là où nous pouvons connaître que ce type ici travaille pour l'étranger. Il ne travaille pas pour les Congolais. Ce type n'est pas vraiment dans le bain de travailler pour les Congolais. Alors, tout ça, ce sont ce que nous disons, les faux fuyants, qui vont vous dire que non, oh non, le pays ne marche pas parce qu'il y a les Rwandais qui nous attaquent, oh, ce sont les Rwandais qui sont venus, ce sont les Libanais qui sont ici, ce sont les Américains. Ça, c'est un faux fuyant. Le problème, c'est qu'on se pose la question, est-ce que les Congolais se connaissent lui-même? Maintenant, le problème, c'est se trouve, où est-ce que nous allons? Quelle est la solution que nous pouvons appliquer? C'est comme ça que nous, ici, à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur une solution que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base, il faut l'organiser. Pourquoi j'ai dit la rétrocession du pouvoir au niveau de la base? C'est-à-dire que la manière dont nous avons quitté San City, la constitution que nous avons, cette constitution-là, ne nous permet pas d'avoir un certain contrôle sur notre pays, sur notre économie, notre sécurité et notre développement. Nous ne sommes pas maîtres de notre pays. C'est pour cela que nous nous sommes dit, faisons un retour à ce que nous puissions nous approprier de nos institutions. Et comment y parvenir? C'est comme ça que je me suis dit, la personne qui est habilitée aujourd'hui, qui est au pouvoir, s'il élève sa conscience, s'il se dit que moi je veux quelque chose de bien pour mon pays, il n'est pas question de moi. Et Zaka Kangai Tena Bandekonanga Soki Aï de Pestoki Baluba O Baza Pembe Nangai. Non, ce n'est pas pour nous, c'est pour tous les Congolais. Ceux qui sont à Isiro, ceux qui sont à Kasumbalesa, ceux qui sont à Bulungu, ceux qui sont en Équateur, c'est pour cela que je suis là. Comment est-ce que je peux les rendre autonomes là où ils sont? Comment est-ce que je peux les rendre responsables de leur vie? De leur vie, s'il vous plaît. Comment est-ce que nous pouvons faire à ce qu'il n'y ait plus de détournement comme ça? Il n'y a plus de gens qui sont insensés. Comment est-ce que nous pouvons refaire le Congo à ce que toute personne, quand il est au Congo, il se sente Ozala Mouluba, Ozala Mukongo, Tozali Banandi à Congo Moko? Comment arriver à cela? C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous avions proposé au président de la République de convoquer les états de lieu de chaque territoire. C'est une forme du dialogue intercongolais qui va taire tous les problèmes possibles d'identification de la population congolaise, qui va taire toute influence, trafic d'influence, à dire que nganaza mukonzi ngaïnde mtunaza na Kinshasa. Parce que je peux vous dire, il y a des gens, il y a des zones rurales où il y a des carrés miniers, tous ces gens qui sont là-bas n'ont rien à dire. Ce sont ces personnes-là qui sont à Kinshasa qui te les guident. Et donc ces gens-là, ils sont à Kinshasa, mais ce qu'on ignore, c'est le projet Mokokuna. Il faut mon aïe. Les gens qui sont là ne sont pas des hommes. C'est comme ça que nous sommes dit. Le président de la République peut convoquer ces états de lieu de chaque territoire. Dans quel but? Dans le but de refonder le Congo. Donc ici je vous parle d'un cheminement de la refondation du Congo. Comment nous pouvons y arriver? Ndenge batu baza na parlement sikoyo, hein? Les gens sont au parlement, les gens vont commencer les travaux parlementaires. Moi je pense qu'il faut que cette idée-là qu'on l'implémente à ce que nous retombons dans la 4e République. Qu'on commence à préparer cette 4e République. Et Zalande cheval à bataille à président de la République Nabatunae Obazanae Sikoyo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il puisse conscientiser ces gens-là à ce que nous sommes en train de préparer une république, une nouvelle république où tout le monde devrait savoir porter sa voix dans la constitution et à Sika.
Comment nous pouvons y arriver? L'idée n'a kendaka nango malembe chaque jour awa, vous qui êtes ici pour la première fois. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que nous formons des dialogues intercongolais dans tous les 145 territoires. On se donne par exemple 3 mois. 3 mois, oh, bah, toi, baza, bah, depuis, baza, baza, qui, bah, Eli, bah, zongi, na, bah, territoire, na, bango, dans chaque territoire, que on trouve à peu près 300 personnes qui peuvent siéger à réfléchir sur une nouvelle constitution, à entreprendre l'identification de la population, afin que nous puissions avoir une carte d'identité. C'est par là que nous pouvons commencer. Tokoyeba nombre abatu, tokoyeba banani baza wapi. Et nous, moi je pense que c'est par là que nous pouvons commencer. Et ainsi, mener ce projet-là, c'est ce que nous avions appelé en 2019 le projet des 145 territoires, qui malheureusement a été mal compris. On pensait qu'en construisant les ports, on pourrait développer le territoire. Non! Nous devons focaliser à une administration saine, c'est-à-dire que les gens puissent refaire vivre l'État dans les États, dans les territoires. Refaire vivre l'État, c'est ça donc, relancer les activités de l'État, les activités civiles de l'État dans les territoires. Par ces assemblées-là de 300 personnes qui seront choisies parmi eux-mêmes, il n'y aura pas de téléguidés, non. Ces gens-là rentrent dans leur territoire. Aujourd'hui, tous les territoires sont dirigés par les originaux. Batuna, batou à côté, kuna. Baye bani de toutes les façons. Et par là, les gens peuvent maintenant s'entendre en se disant, ah, on a territoire, on a biso tozana ba. Ba notable boye, ba enseignant boye, ba prêtre boye, ba nani boye. Ils peuvent déceler 300 personnes, des gens qui ont de l'intelligence dans leur territoire, pour venir travailler sur le draft d'une constitution. Et par là, former maintenant des commissions autour d'un administrateur qui doit se choisir en disant, voilà comment est-ce que nous allons conduire l'identification de la population. J'appelle ça l'identification. Donc, il doit y avoir des grandes missions dans ces états de lieu, l'identification de la population et le draft d'une nouvelle constitution. Discuter sur ce qu'ils peuvent dire en disant, biso, en tout cas, la nationalité, voici ce que nous allons dire comme nationalité. Oezo et Dignye biso awa. Toye biba groupement na biso noso awa. Toye biba secteur na biso. Nous savons qui est qui ici. To sali identification, to sali ba database na ango, et on peut octroyer à quelqu'un d'autre des récits pour la demande de l'identification. Maintenant, chaque territoire na côté identification, dès que chaque territoire est terminé, et s'il ici ko identifié batunaye, batu oyo tokoza, eza processus, j'en parlerai encore dans un nouveau numéro, c'est pour cela, vous devez vous abonner pour que Bolanda malembe malembe. Sur le processus d'identification. Exactement, modèle, exactement, ça, les manettes avec l'ONIP en disant que l'ONIP va vous donner des cartes d'identité. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'identification. J'espère qu'ils sont en train de réfléchir sur ça, qu'ils ne peuvent pas imprimer une carte d'identité sans mettre des processus ou bien des procédures en place. Et donc, pendant qu'on est en train de faire le processus d'identification par ce même groupe-là de 300 personnes, on réfléchit aussi sur l'entièreté de la Constitution. Et on se donne 3 mois. Ces gens-là vont réfléchir dans chaque matière qui devra être dans la Constitution. Ainsi donc, après les 3 mois, ils vont se choisir un groupe de 30 personnes qu'ils vont envoyer à la province. Pourquoi la province? La province regorge beaucoup de territoires. Et donc, c'est en province qu'on va amener tous ces textes-là de tous les territoires, des territoires donc dans cette province, on harmonise le texte. Vous aviez dit quoi ici? Non, ici les conséquences. Et les gens doivent défendre leur position qui viennent de leur territoire en disant Bisotolinga qui kebaka latitou, bien les milâtres ne puissent pas être des Congolais. Vous défendez ça. S'il y a objection, vous pouvez encore communiquer à votre assemblée territoriale qui est là en disant que non, ici, hein, nous avons vu tout le monde a opté pour que, par exemple, les milâtres ou bien
les enfants qui sont nés, par exemple, d'une mère ou bien tout ça. Toutes ces idées-là, vous pouvez vous harmoniser et dire que okay, nous optons pour ceci et tout le monde a sa voix. C'est ça la préparation. Ainsi, après avoir harmonisé le texte au niveau des provinces, nous pouvons maintenant passer ça au niveau de l'ensemble du territoire, qui sera une nouvelle assemblée nationale. Et voilà comment est-ce que nous pouvons avoir des gens à la tête de notre pays qui peuvent réfléchir, qui sont des gens valables, que nous enverrons là-bas pour qu'ils puissent, que le pays soit dans la main des gens qui savent. Et ça, là, beaucoup à initier. Que les gens qui comprendront que le pays est en train d'aller où. Et c'est comme ça que nous pourrons maintenant arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps-là, la database de tous les Congolais de chaque territoire sera formée et ainsi délivrer les cartes d'identité avant que nous passions au référendum. Ça peut nous prendre 2 ans. Il y a quelqu'un qui me posait cette question. Ça peut nous prendre 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, nous nous appliquons à réfléchir exactement sur chaque point pour que rien ne soit laissé. Le mandat du président de la République et tout ça, nous mettons ça vraiment en homme. Et voir, et je vous assure que avec cette procédure-là, le pays sera respecté parce que Bamindele Bakomona que finalement le Congolais commence un peu à réfléchir. Voilà un peu la position ou bien la solution que nous sommes en train de proposer ici. C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, nous essayons un peu de nous voir comment est-ce que la base peut désigner un président réel. Et quelles sont les prérogatives du président, le gouvernement et tout ça. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord tout ce que nous tout est là. Et c'est, j'en parlerai encore une fois de plus sur la reconstruction, la réforme qui peuvent être faites dans l'armée. Ce ne peut pas être quoi que qui va et qui va que comme nous vivons aujourd'hui. Voilà, j'espère que je vais vous laisser avec cette soif-là de connaître, mais je vous demande de vous abonner encore une fois de plus, parce que nous avons besoin de vos abonnements. Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions. Nous voulons que cette idée ici puisse vraiment aller et être adoptée par ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses ici en République démocratique du Congo. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de m'envoyer des encouragements. Il y a encore nos bienfaiteurs qui nous ont fait quelque chose. Merci beaucoup pour ceux qui aussi participent à ce que nous sommes en train de construire. Je vous en avais parlé hier. Excusez-moi de la qualité de cette vidéo d'hier. En tout cas, c'était... le courant est parti. Sachez qu'ici en Afrique du Sud, lorsque nous avions commencé à enregistrer, nous nous sommes retrouvés que l'électricité est partie. C'est comme cela que vous aviez vu. La qualité de l'image n'était pas bon. Veuillez vraiment nous excuser. Mais j'espère que... Et quand je vis le feedback de cette émission, vous ne vous êtes pas seulement fié aux images, mais le message. Je vis que beaucoup de gens ont répondu et beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions que je prendrai le temps de répondre dans nos émissions prochaines. Donc, portez-vous bien. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro Réflexion. Au revoir.